Aujourd'hui, dans ma collection, les Sk Skoda 1985. Les années 80 regorgent de bijoux automobiles qui sont repartis aussi vite qu'ils ne sont arrivés et qui se voulaient à la fois économiques et originaux. Pensez à l'Innocenti, à la Dacia. À la Yugo et bien sûr à la Skoda. Arrivée chez nous en 1984, la Skoda n'était pas offerte aux États-Unis. Pourtant, elle a été commercialisée un peu partout à travers le monde entre 1977 et 1990. Chez nous, l'aventure Skoda n'a duré que trois ans, les voitures n'ayant que très peu évolué au cours de cette période. On nous proposait deux déclinaisons d'une berline ainsi qu'un coupé baptisé Rapide. Évidemment, cette voiture-là portait bien mal son nom. Puisque malgré son moteur plus puissant que celui de la Berline, un 4 cylindres de 1,3 litre de 62 chevaux, on annonçait un 0-100 km/h en 14 secondes selon le constructeur, un chiffre qui me semble bien optimiste. La particularité des Skoda repose bien sûr sur le positionnement de la mécanique qui est située à l'arrière et qui entraîne évidemment les roues arrière. La seule boîte disponible est une boîte manuelle. À cinq rapports, sauf dans le cas de la berline de base qui offre une boîte manuelle à quatre rapports, donc pas d'automatique. Inutile de vous dire que la Skoda est un cauchemar de fiabilité et qu'en plus, la voiture s'adapte très mal aux conditions climatiques québécoises. Il faut dire qu'à cette même époque, plusieurs nouveautés débarquent sur le marché avec les roues motrices avant qui sont drôlement mieux adaptées. La voiture est vendue à un prix situé juste sous la barre des 6000 dollars donc ce n'est pas une aubaine et elle est très mal distribuée par un réseau de concessionnaires archaïque et pas vraiment sérieux. Les voitures Skoda disparaissent du marché canadien en 1987. Et à bout de souffle, à la fin des années 80, la compagnie est rachetée par le conglomérat Volkswagen en 1991, qui commercialise aujourd'hui la marque Skoda dans plusieurs pays d'Europe, avec une gamme complète de véhicules beaucoup plus modernes. Ironiquement, la Skoda Rapide est toujours commercialisée, une voiture qui propose des mécaniques entre 95 et 110 chevaux, comme quoi 35 ans plus tard, on n'a toujours pas compris ce que signifiait le mot rapide.